Salut tout le monde, c'est MissBigGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Destinée de Paldea. Et je serai bien sûr en compagnie de... Mr. B-Boy. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, la dernière ouverture était pas mal. Était vraiment très cool, un hit par booster, honnêtement, on espère continuer sur cette petite lignée. Toujours pas d'alternative, Sophie. Il va falloir qu'on commence à les sortir là. Ça serait bien qu'à la troisième vidéo, on voit une alternative. Toujours par contre une petite avance parce que ça sort le 26 janvier. Et on n'est pas le 26 janvier, évidemment. Donc on est parti, on va ouvrir cette ETB, on va faire tout ce qu'on a à faire. Et on se retrouve en face de ces 9 boosters. Cette fois-ci, on espère vraiment une alternative. On y va. Tout premier booster, let's go. Sophie Nasser, s'il te plaît. Grundog. Et qui plus est, Dracaufeu ou Gardevoir qui est quand même magnifique en vrai. Oui, c'est vrai, il y avait Gardevoir, j'ai oublié. Magmar. Allez, bon, allez, vous commencez à les connaître déjà, tu vois, c'est seulement la troisième ETB, mais à mon avis, vous les connaissez bien maintenant. Donphan. Générateur électrique très utilisé avec Coraidon. Allez, élève de Paldea. Attention. Aïe, 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 dommage. Oh, bon, allez, une petite ex. Fort Ivoire, évidemment, de temps passé. Bon, bah écoutez, mieux que rien, une petite Fort Ivoire, il nous la faut, on ne la veut pas. Deuxième booster. Est-ce qu'on va faire comme tout à l'heure? Fais-nous rêver, Sophie. On l'a jamais vu celle-là, non. C'est pas une reprise en plus. Belle, en plus. Petite Loclas, ouais, mais Loclas c'est un Pokémon magnifique. D'ailleurs, il a pas de shiny, il a rien, quoi. Ouais, j'avoue, c'est dommage. Un peu dommage. Par contre, attention, hein, Loclas a sa shiny dans Destinée Occulte, me semble. Destinée Radieux, me semble-t-il. Oui, on l'a en VMAX. Ah oui, sympa. Ouais. Flablobol. Mais c'est vrai que Loclas, ça a été un de mes Pokémon Krakos. Préférés, évidemment, pendant pas mal de temps. Krakos, encore. Oh non, Sophie, je veux une alternative. Mais peut-être justement que ça veut dire... Allez, troisième booster, j'espère. Un plus gros hit. Bah là, on n'a pas de hit par booster. Hein, donc ça veut dire qu'on va avoir un gros hit. J'espère. Ça sera incroyable. Bah, de toute façon... Allez, Gourmelin. Là, dans Écarté Violet, les cartes ont du mal à décoller, j'ai envie de te dire. De neuf. Il n'y a pas de grosse carte qui vaut méga cher. Les 151, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose. Machine. Mais en même temps, tout le monde essaye de remplir le 751 dans sa globalité. Bon, bah pas de hit, mais là... Peut-être... Oui. Oh non. Bon, par contre, on voit un truc au fond. Oh, le retour de Cléopsytra Extera cristallisé. On ne l'avait pas, bon bah voilà, il nous la faut pour le 7, pourquoi pas. Donc tu peux avoir de la chance comme tu peux avoir de... pas de chance. Bah c'est le but à la base de ces cartes, hein, de ces fameuses cartes, hein. Fantominus. Élève de Paldea. Barloche. Chauve-sourire. Clove. Clove. Mentine Clove, ou tu dis pas une phrase des fois comme ça là. Reptincelle. Non, je vois pas si, un genre de chanson. Oh! Eh bah tiens, c'est son ETB. Ouais, c'est son ETB. Putain, c'est infernal. Allez, on est parti en full art. On l'avait pas. On est content quand on n'a pas, les amis, encore une fois. Apprenez à être content avec de petites choses de la vie. De quoi? Bah non. Tu peux voir que ok. Mais... Cléopsytra en version full art, évidemment, shiny. Bon, bah écoutez, il nous la faut. On est content. Là, pour l'instant, par contre, c'est une ETB qui me fait un peu frissonner, Sophie. Hein. Ouais. Allez, chauve-sourire. Pompi. Deden. Bon, bah là, c'est vu, revu, revu, revu. Ah, bon, bah, on sait qu'on n'a pas, pour le coup, là, de shiny. Aïe, 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 River. Oh, première super bonbon. Ouais. Mes premières super bonbons, tout court. Bon, bah, ok. Bon, là le problème, c'est que la pile de booster descend à vue d'œil. Et ça fait mal. Allez. Ouais. Il reste 4 boosters en comptant celui que tu as dans les mains. Hop. Compagnol. Compagnol. Oxoloto. Axoloto. Neneuf. Férosinge. Briochien. Doucement, pas mignol. Tu t'approches de la dernière, prends-en pas 6. Voilà, Hyperball. Elle est belle. Oh, une petite shiny. Bah voilà, putain, je commence à perdre. Oh, oh non, mais c'est pas possible. Sur 180 shiny, putain. Mais non, on l'avait pas, on avait l'évolution. Eh ben, c'est très bien, alors on est content. On est content. Retirez mon énervement, on est très heureux. Allez, peut-être. Marakshi.
Bah oui, mais t'énerve pas. Allez. Dogrino, on est parti. Essaye pas de te rattraper. Sors-nous ce hit plutôt. Sonitrel. Et Oko. Qui est magnifique comme Pokémon, je trouve. Pikachu. Élève de Paldea. Sac de Menzi. Colossinge. Allez. Bon, bah, on sait qu'on n'a pas. Oh, ça vient. Bah oui, on voit ça, on voit ça. Quincia. La Quincia. Première fois qu'on l'a. Incroyable. L'Hyperball. Là. Dommage, noix de coco reverse. Aïe, aïe, aïe. Xatu. Xatu, nous reste deux boosters pour essayer de retrouver le sourire. Sophie, lâchez, on va prendre le prix le plus bas, 55 balles pour une shiny et une full art shiny un peu chelou. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit le Pokémon préféré des enfants, hein, n'est-ce pas? Le, comment il s'appelle, je sais même pas, Cléopsytra. Ouais, Cléopsytra. Fragouin. Fragouin, première fois. Fait trop rire. Non, je... Lanturne. Allez, Colossinge. Comme souvent, c'est bien. Aïe, Monsieur Mime Junior. Ouf. Grombotor. Oh, c'est la première fois qu'on l'a. ETB qui casse le moral. ETB qui fait mal. Alors, je vais pas vous dire... Je vais pas vous dire en commentaire de mettre la carte préférée qu'on a fait tomber, parce que là, c'est très très maigre. Hein. Mais il faut aussi vous montrer, parce que ça vous prouve que, bah déjà en truc rien, et c'est surtout que, bah en fait, Pokémon, c'est une passion, c'est de la chance, c'est du hasard. Et voilà, quoi, il faut y aller. Hein. Et Oko. Je vous dirai sur une case Fracos. Exactement ce qu'on a fait tomber en tout. Ça peut être intéressant pour vos statistiques. Machine. Je crois qu'il va y avoir des petites boîtes de machines. Oui, des briques de lait. Ouais. Oh, allez, superbe ça. On est quand même un peu content. Oh, les famignoles. Mignoles. En shiny qui ressemble exactement à la version normale. Ouais. Mais bon, il nous la faut. Allez, les famignoles. Et voilà. De très maigre. Ouais. Très, très maigre. Très bof. J'avoue, par contre, tu vois, là, tu tombes sur une ETB comme ça, j'avoue, t'es un peu deck. Là, c'est le TB qu'il vous faut pas, les gars. Donc, il y en a une en moins dans le commerce, parce qu'on vient, on vient de la foudroyer. C'est pas la belle OTB, ça. Hein. Ça, c'est pas beau du tout. Hein. Aïe. Ouais. On espère plus de chance de votre côté, mais c'est vraiment pas la belle OTB. Bah, au moins, vous avez eu trois OTB, trois différentes. Trois totalement différentes, effectivement. Celle d'avant, elle nous a régalé. Ouais. Celle-là, toujours pas d'alternative, Sophie. Hein. Toujours pas d'alternative. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait plaisir. On se retrouve demain pour l'ETB du jour. Allez, à demain tout le monde, bye bye. Ciao.